Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter et Mécaboîte. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, je vais vous montrer comment reboucher des trous sur une boîte à air. En l'occurrence, là, ça serait une boîte à air d'AV89 qui est montée sur un carburateur Gürtner H14. Donc, il vous faut pas grand chose pour faire ça, je vous le dis tout de suite. Déjà il vous faut de préférence un carton, moi c'est un carton de chez 50 Factory, c'est pour caler la boîte à air. J'avais un trou ici, je l'ai déjà bouché celui-là, là j'en ai un autre là. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué en soi à faire. Et ce qu'il va vous falloir, c'est des riselants. Donc moi c'est des riselants de chez Action, donc riselants, Colson, collier de nylon, vous appelez ça comme vous voulez. En préparer un deuxième, il m'en reste un morceau. Il vous faut un briquet tempête, de préférence réglable au niveau du gaz. Ce que vous allez faire, c'est le mettre à fond. Vous chauffez pas sur la boîte à air par contre, parce que sinon vous allez aggraver les choses. Vous allez faire fondre le riselant jusqu'à temps qu'il soit liquide. Ça commence à être un petit peu trop petit maintenant. Bon, là ça a pas très très bien, ouais, ça a coulé dedans. Allez-y petit par petit au pire. Voilà. Au début, essayez de ne pas le faire trop liquide. Ça évitera que ça passe à travers. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez baisser le gaz au plus bas, enfin si, à part si le vôtre il s'éteint quand vous le mettez au plus bas, mais il faut avoir une flamme pas trop grosse. Vous allez chauffer ce que vous avez mis, voilà, ensuite vous recommencez, vous reprenez le riselant, vous remettez votre gaz à fond, vous rechauffez. Voilà. Ils n'étaient pas à en mettre un peu plus que ce que vous avez à réparer. C'est-à-dire qu'il faut, même si vous dépassez de la réparation, c'est pas méchant. C'est même préférable. Là, je vois que j'en ai encore un juste au bout. J'espère que ça cadre bien. C'est la même matière que le... Normalement, je crois que c'est la même matière que la boîte à air. Bon, c'est du plastique, hein, de toute façon, voilà.
Alors vous chauffez par contre uniquement la partie noire, hein. Vous chauffez pas votre boîte à air. Là, je vois, j'ai encore un petit trou au-dessus. Voilà. Alors ça fait pas très joli, hein. Mais bon. Le truc c'est d'avoir un truc quand même qui soit qui aille pas de trous quoi pour éviter que la flotte ou les trucs comme ça passent. C'est le principal. D'après ce que je vois, il me reste encore un tout petit trou au-dessus. Faut pas hésiter à vérifier la lumière. Apparemment, il me reste encore un trou en haut. Là, il commence à être un peu court. Après, quand ça sera bien froid, vous pouvez le poncer un petit peu. Là, je vais reprendre un. Alors ça peut être long, hein. Moi c'est un truc que j'ai acheté d'occasion et franchement c'est dans un sale état. Je dois pas en être loin là. Ça m'a l'air pas mal là.
Bon. Donc voilà la réparation. Ah, comme je vous ai dit, hein, ça fait pas très joli, mais bon, le principal, c'est que le trou soit bouché. C'est surtout ça qui compte. Après, si là, je vous invite, c'est à laisser refroidir un petit peu. Donc, j'ai rebouché les deux trous. Je ferai le ponçage, moi, hors caméra. Là, c'était juste pour vous montrer comment faire pour réparer. Pour le ponçage, pour dégrossir, vous prenez du grain en 80. Et après, vous pouvez descendre à du 120 et pour les finitions, du 400. Puis ça sera bon. Donc voilà. Si vous avez une boîte à air H14 qui est cassée, qui est percée à cet endroit-là, bah voilà comment faire pour les réparer. Vous avez plusieurs méthodes. Moi, j'ai utilisé cette méthode-là. Après, la méthode qui serait la mieux, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Pareil, hein, riselant. Bah, vous les découpez, vous découpez des petits bouts. Vous mettez ça dans un pot en verre, je précise. Vous achetez de l'acétone, vous laissez fondre vos riselants dans l'acétone et après bah, ça vous fait un genre de pâte. Normalement, ça sera solide, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc voilà! Donc voilà pour la petite réparation boîte à air. Hein. Donc, bon, c'est pas. C'est sous la 89, hein. De toute façon, c'est sous les caches, hein. Ça va pas forcément se voir. Après, bon, s'il vous reste encore des micro-trous, laissez comme c'est. Sinon, vous risquez d'aggraver. Le truc, c'est que là, si vous avez des trous comme moi j'avais, là, c'est quand même bien de les refaire, quoi. J'aurais bien voulu faire l'intérieur, mais l'intérieur ça va pas être faisable, hein, je vais pas pouvoir. Là je vais certainement, moi j'ai vu qu'il y avait encore un gros trou à l'arrière. Donc je vais essayer de peaufiner hors caméra. Et puis voilà. Sur ce, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing, Mob11, Gotha11 et StreamX2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Allez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Bruno Devine, qui est une chaîne sur les voitures sans permis. Je ne réponds plus aux questions et tout ça sur YouTube et Insta. J'ai eu trop de demandes. On commence à être un peu beaucoup sur la chaîne maintenant. Donc, je n'ai plus trop le temps de répondre à vos questions. Donc, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et à une prochaine vidéo.